Bonjour. Ah bah non, attends. Nous sommes vendredi et vendredi ce sont des vidéos face cam. Et là bah, j'ai décidé de vous faire un retour de course vu que j'ai entamé un petit régime, notamment sans sucre, mais je fais quand même attention à côté. Bah, ça commence à porter ses fruits, donc c'est cool. Ce qui fait que vous êtes beaucoup à me demander, Caro, tu peux nous montrer un petit peu le type de repas que tu fais sur une journée? Donc je croyais que ça s'y prêtait. Retour de course et en même temps je vous explique plus ou moins avec quoi j'agrémente et tout et tout et tout. Au niveau de ma perte de poids, je m'en rends compte tout de suite avec le jean. Alors ça, c'est la valeur sûre. Je commence un petit peu à bâiller. Ce qui, moi, me gêne le plus, c'est vraiment au niveau des cuisses, au niveau global, général, de l'aspect de la peau. Et forcément, ça passe aussi par l'alimentation. Pas que, évidemment. Il y a le sport, il y a pas mal de choses. Il y a aussi le côté génétique, hein, tabou, mais... Si t'es sujet à ça, c'est pas évident. Je vais tout installer sur la table, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et d'ailleurs, il va falloir que je sorte aussi les surgelés. Il fait quand même très chaud aujourd'hui, donc je me suis précipitée, j'ai tout mis direct. J'ai tout installé, on est pour 156 €. Par contre, je vous montre pas la partie aérique. Il y a des boissons, il y a pas mal de petites choses aussi. Je commence par les surgelés. Alors, j'ai repris des petits pois parce que bah, ça va super vite. Eric m'en pique aussi, enfin il en prend aussi. Donc je les fais chauffer dans l'eau bouillante. Et en parallèle, je fais chauffer un petit steak haché sans matière grasse. Par-dessus, je rajoute un petit peu de chèvre. Et c'est tout. Donc je ne mets pas de matière grasse. Et je ne me prive pas du tout. Moi, je ne cuisine pas au beurre et tout. C'est pas quelque chose pourtant. Pourtant, je suis normande. Mais non. Mince, j'ai oublié le beurre pour Eric. Enfin, le beurre, ce qu'il prend. J'irai demain. Ensuite, je me suis pris ceux-là. Ils sont bons, c'est pas exceptionnel, mais franchement, c'est très rapide à cuisiner. Et puis, ceux-là, je les mange avec du blanc d'Inde ou bien des petites escalopes. Et comme je suis gourmande, on peut l'agrémenter avec un petit carré frais ou bien du chèvre chavreau qu'on vient écraser. Ensuite, alors ça, c'est mon petit péché mignon du moment, la ristorante. Je vais pas tarder, j'ai l'impression que... Ouf, elle a chaud. Au thon. Et pour Eric, je lui ai... acheter celle-ci. Lui, il préfère les pâtes très épaisses, alors que moi, je préfère les pâtes très fines. Je les range. Je viens de checker, c'est ça que j'ai oublié de lui prendre. Et il lui en reste pas des masses. Par contre, il nous fait de la sculpture sur beurre. C'est étrange. J'ai repris mes tranches de chèvre et ça me fait rire parce que depuis que j'en prends, il y en a pas mal qui me disent « Ah, bah, j'ai testé parce que tu m'intriguais, tu me donnais envie et maintenant, bah, vous adorez ça. » Ce sont... je suis dégoûtée parce qu'il n'y avait pas celles que je voulais encore plus fines. Enfin, il y en avait, mais elles allaient jusqu'au 27. Donc c'est juste escalope ultra fine de dinde. Et je voulais aussi celle de poulet. Mais voilà, la deadline était un peu short. Ça, j'en ai pris 4 tranches. Et ça, c'est le midi. Pareil, dans ma poêle, je viens les snacker sans matière grasse. C'est très très bon. On fait un petit tour de moulin que j'ai oublié. Voilà, je devais acheter du sel de l'Himalaya, je l'ai oublié. Et du 3, le 3 poivre, j'adore ça avec les baies. C'est pas grave, je rachèterai en même temps que son beurre. Et voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je fais sur ces petites escalopes? Parce qu'effectivement, il faut que ça reste quand même goûteux, il faut que j'ai quand même du plaisir. Eh bien, je me rajoute du chèvre. Je fais 3 petites tranches que je mets tout du long, une fois qu'elle est un petit peu cuite. Je viens les retourner et franchement, c'est délicieux. J'ai pris ça, pareil, j'en fais une grande consommation. On a du poulet, on a de la dinde, j'allais dire, mais non, j'ai pris que poulet. Ouais, c'est pareil avec les dates limites. Voilà, ça va jusqu'au 9 juin, donc c'est pas mal. Jusqu'au 12. Je l'ai pris sans nitrite, ce qui est le plus normal. 6 tranches à 12 tranches. Moi, j'en prends même le matin. Oui, ça fait partie de ma routine. J'en prends un peu le midi, parfois un peu le soir. Parce que ça, franchement, on peut l'agrémenter avec tellement de choses. C'est un peu la base de ma nourriture. Et le matin, bah, sur mon pain grillé, avec un peu de beurre et ça. Et franchement, au début, je m'étais dit, ouais, ça passera pas, ça passe très bien. Le chavreau, pour aller avec tout ça, hein, j'ai pris le format familial. Parce que, pareil, ça, le matin, j'en prends également. Pour le goûter, parce que c'est là où ça me posait un peu problème. Parce que je n'avais que des pommes. Le porridge, je ne savais pas trop, mais en fait, je prends des fromages blancs, pas des yaourts, parce que ça, les yaourts, ça me fait mal au ventre. Donc, les fromages blancs, comme ça, au lait demi-écrémé, 3% de matière grasse. Et ça, en fait, ça va venir accompagner mes petits goûters. D'ailleurs, j'ai très envie d'en prendre. Et dedans, je rajoute de l'avoine, flocons d'avoine pour faire comme un porridge avec le fromage blanc. Et avec, je rajoute également, pas trop, hein, des petites amandes qui ne sont pas salées, elles sont juste grillées,
parce que ça peut provoquer, vu que j'ai un terrain migraineux, donc j'en prends très peu. Des œufs, évidemment, parce que je le fais pas tous les matins non plus, mais les petits œufs à la coque le matin, c'est formidable. La petite mouillette, le fromage, enfin, testez, vraiment testez. C'est des saveurs oubliées. J'en prenais avant quand j'étais plus petite et c'est vrai que pendant un moment c'était fini et c'est vraiment bon. Des surimi. Ça aussi, ça faisait longtemps. Ah, surimi. Jack kiffe ça. Ça va être compliqué quand je vais les sortir. Donc, des surimi. Sans gluten, sans œufs, sans lait. Parce que pareil, le midi c'est sympa. Voilà, en plus de mes petites salades. Mozzarella. Ça parce que vraiment c'est un kiff, même si je sais que c'est pas ultra, ultra bon, ultra sain. C'est vraiment quelque chose que j'aime tout particulièrement. Mes petits choux-fleurs, je suis dégoûtée parce que vous me direz, t'as qu'à en prendre un gros, c'est vrai. Il n'y en avait plus. Donc j'ai pris un des derniers paquets. Et ça, pareil, ça fait partie de mon alimentation. J'aime bien les picorer. C'est vrai que le cru, c'est sain, mais ça peut faire mal au ventre, tout comme mes carottes. Vous me l'avez dit aussi, j'en consomme beaucoup, beaucoup. Là, je me suis calmée et je les consomme crues. Donc, je pense que je vais alterner, je vais les cuire. Et par moments, parce que j'adore ça, moi, des petites carottes crues dans lesquelles je rajoute juste mon petite huile d'olive. Mais bon. Donc, j'ai repris mes carottes bio village. Deux courgettes que je vais donc couper en tranches et faire snacker sur du papier sulfurisé dans mon four. Et auquel je vais rajouter au dernier moment un petit peu de chèvre, un petit peu de chèvre comme ceci, et ça va être formidable, je le sais déjà. Des avocats, Eric en consomme aussi, donc avocat toast, hein. Exceptionnellement bon. Je me suis pris petit kiff, vraiment, j'adore ça. Ça me rappelle Saint-Martin aussi, hein, je vais pas mentir. Une mangue, elle a l'air bien mûre. J'ai hâte de me la faire. Je pense que je me la ferai plutôt demain. Parce que là, je vous dis, il est déjà 5h30. Et je me suis pris deux beaux melons que je viens couper en deux. J'enlève évidemment la partie graines. Et je fais des petites boules. Je mets ça dans mon bol. Je mets un peu de feta. Je mets, ça va être génial, un peu de basilic, évidemment. Et je coupe des petits morceaux de poulet comme ça en tranches, et franchement ça me fait mon repas, j'adore ça. J'ai acheté aussi un truc, restez jusqu'au bout, vraiment. J'ai pris un concombre, très très bon concombre, des Pink Lady parce que j'en consomme beaucoup, j'en consomme deux par jour, ça va ultra vite. Le midi ça me sert de dessert, et le goûter vers 4-5 heures, je prends ma pomme pour me caler. Il me stresse, Jack. J'ai pris des petits kiwis, pareil, avec parcimonie, parce que ça peut provoquer des migraines. Mais j'aime bien en prendre un aussi le matin. J'ai pris donc vraiment des poires. Elles m'ont l'air un peu dures. Bio village, origine France, ouais, c'est bon. Des petites poires, elles sont vraiment pas grandes. Hein. J'adore ça, la poire. Déjà dit, c'est mon fruit préféré. Des pruneaux, j'avais arrêté d'en prendre parce que pareil, pour la tête c'est pas ouf, il vaut mieux éviter, mais un comme ça de temps en temps, pour le ventre c'est pas mal, tu changes ton alimentation, ça aide. Du basilic pour venir pimper un peu tout ça, j'aime beaucoup le basilic parce qu'il me reste des petites tomates allongées. Qu'est-ce que je vais me faire? Bah en fait, la traditionnelle feta, j'en ai plus. C'est ça que j'ai oublié. Puis des petites olives, j'ai oublié aussi. J'aime bien les petites olives. Bon. Des betteraves que je viens couper en dés. Des haricots. Je suis pas fan des haricots. Ça m'a jamais éclaté, moi, les haricots. Alors vous allez me dire, pourquoi tu en prends? Bah parce que c'est bien aussi, c'est du vert, c'est bien d'en manger. Pour le matin, celui-ci, j'ai jamais testé. Il est sans croûte. Sympa, ça. Sans croûte, c'est le bio 100% mi complet. Harry, le crime. Regardez, Jack il me l'a saccagé. Je l'ai laissé 2 minutes et voilà. J'ai pris donc à Leclerc, ils font le pain nordique que je prends normalement en boulangerie. Je leur ai demandé de me le trancher. Ça sent bon. Et normalement il va durer 2-3 jours pour bien que je le ferme. Et pareil, celui-là je le chauffe. Ça, c'est pareil pour un midi, j'adore les pois cassés. Je peux me les faire, hein, j'en ai aussi, mais là,
C'est assez pratique et cette gamme est super bonne. Vous voyez, il n'y a pas des masses de chocolat, il n'y en a pas du tout. J'ai pris ceci. Alors, voilà, Gerlinéa Détox. Pourquoi ? C'est concentré à l'extrait d'artichaut. C'est un shot à prendre tous les matins pendant une semaine. Et en fait, ça va venir détoxifier le foie quand on a des problèmes hépatiques ou la vésicule. Parce que, encore une fois, j'ai flippé. Donc, je me dis, fais-toi ta petite cure, c'est toujours bien. Et pareil, quand tu es migraineux, détoxifier son foie, c'est hyper important. C'est très important, en fait, voilà. Donc, je me suis dit, eh ben écoute, tu essaies. Pourquoi il y a une pomme ? Il y a une pomme parce que c'est saveur pomme. Ok, et donc ça, c'est à prendre le matin, au petit déjeuner, comme ça. Hop, soit sans rien, soit mélangé avec de l'eau, si je pense l'odeur est trop forte. Enfin, le goût gêne. Je vous en dirai des nouvelles. Coûtait 6 euros et quelques. J'ai plus de batterie, je reviens. Je sais plus où j'en étais. Si, j'en étais là. J'espère que je vais le tolérer. Parce que moi, parfois, c'est compliqué. 1, 2, pour en avoir d'avance. Un gel douche, je voulais qu'il fasse les deux, donc gommant au savon noir. Regardez ma vidéo de dimanche, vous verrez pourquoi. Et l'exfolie pour une peau lumineuse, ils sont bons. Je pense que c'est tout. J'en ai pour un moment, franchement j'en ai pour un moment parce que ça reste des petites quantités que je consomme. Et ça me met en joie de bien manger, je me sens mieux dans ma peau, je ne me prive pas plus que ça, vous l'avez vu, je vais me faire une pizza le soir. L'autre soir je me suis fait McDo, même si je suis restée cool, j'ai pas été dans des trucs sucrés et tout. Mais bien sûr que ça fait plaisir de voir que ça porte ses fruits et de se sentir mieux dans son corps, moins ballonné. Pouvoir fermer son jean, enfin bon, bref, vous l'aurez compris. Mais là, j'ai envie de travailler vraiment sur l'aspect de la peau. Parce que c'est bien joli de mincir, mais si tu peux pas mettre tes petites gambettes à l'air parce que tu te sens pas bien ta peau, le côté capiteux, enfin voilà. Donc je vais beaucoup travailler là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, vous donner peut-être des petites pistes, je ne sais pas. Et puis, bah, j'aime bien vous lire, vous le savez, je répondrai à vos petites questions si jamais il y en a. Je vous embrasse et on se dit à dimanche pour un vlog. Ciao !